Bonjour à tous, je vous présente mon dernier petit projet qui vient de se terminer. Donc, ça concerne donc un échiquier. Le plateau, lui, bien sûr, a été fait en bois, mais toutes les pièces ont été imprimées en 3D. Donc, elles ont été conçues de manière à pouvoir être imprimées donc avec n'importe quelle imprimante. Et la seule pièce nécessitant des supports étant le cavalier. Là, ici, j'ai utilisé donc de l'ABS parce que vous pouvez voir que les pièces sont lissées. Et voilà, je vais vous présenter en détail donc le cavalier avec son support, un support qui a été directement modélisé de manière à ne pas avoir à en mettre lors du tranchage. Voici la seule pièce qui nécessitera un support pour l'impression, donc le cavalier. Hein. Une fois terminé et lissé, ça ressemblera à ça. Et là, je vous montre, ben voilà, sortie d'impression. Vous avez juste à casser le petit support. Voilà. Toutes les pièces ont été imprimées en 0,1 mm pour les hauteurs de couche. Et j'ai utilisé Kiss Slicer. Alors, j'essaie de voir si on peut voir sur la vidéo. Enfin, ce qui est assez superbe, c'est que on ne voit pas la jonction entre les couches déjà. Et puis le début et la fin de chaque périmètre, on ne le voit pas non plus. C'est vraiment vraiment bien. Donc, on arrive à deviner vraiment quand on sait à quels endroits ça a été fait, mais voilà, le résultat est vraiment bien déjà sorti d'imprimante. Et puis voilà, une fois lissé, vraiment tout disparaît. C'est vraiment parfait. On peut bien chercher sur toute la périphérie, on ne voit absolument rien.